Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? M'espérez nous en forme. Mes amis, moun yo, pas de camper. La police nationale d'Haïti continue, mettez dominangé, vagabond, gros couré criminel qui pas suspendre, terroriser population. Eh bien, plusieurs bandits tombés dans gang Timacatlan dans la Boule 12 après un assassinat qui finit fait sous pasteur Jean-Obe. Nous pral ba ou plus détails. Et dans cité de l'indépendance dans ville Gonaïves, la police rive démanteler un groupe gang qui était à peine formé et rive marrer tête gang chef gang nan grapiay qui cause ou pral connaît rete là pral joindre tout détail ça yo. Yon l'autre bois ancien premier ministre Laurent Lamothe crier victoire sous pays Canada. Nous songez Canada te prend sanction mettez Laurent Lamothe dans liste moun ka financer gang, ka financer insécurité en dedans pays. Eh bien en pile parole parler, il était engagé en batterie d'avocats, en pile avocat intenté action contre le gouvernement canadien. Eh bien, résultat a tombé, nouvelle a tombé, ou pral gagner tout à l'heure comme ça. Si vous faites tomber sur channel là, m'a invité à vous abonner ou sur TAK509 tout haïtien connecté. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous, pour me porter information pour vous, pour me traiter information avec vous, dans l'idée pour être connecté à tout petit détail qui a passé en dedans la cour pays d'Haïti. Eh bien, je dis en là, sont l'autre occasion nous gagner pour nous parler pays, pour nous continuer faire débat sur situation difficile pays d'Haïti à connaître par rapport avec phénomène insécurité. Hein? Grand banditisme captaillé bandan dans la coupe pays d'Haïti. Eh bien, mes amis, dans le jour qui s'est passé là, t'es en note que ministère et justice et sécurité publique te mette dehors, qui gagne en tête li, Emli Prophète Milsé, côté et mini justice, li parler avec peuple haïtien. Et faut que moi dis nous, depuis 10 dernières années qui s'est passé là, yo, niveau insécurité nous gagne là, gang qui a multiplié, kidnapping qui a multiplié chaque jour, c'est bagay haïtien pour que jamais. Nous tendez au dos en 2004 gain insécurité, eh bien ça gain là jodi en 2004 bagay yo pas comme ça. Yo dou sous Martelly te gain insécurité, mais journée jodi ça nous gain là pas comme ça sous Martelly. Yo te mette président Jovenel Moïse comme responsable massacre gang qui t'a terrorisé population, mais ça n'a vu journée jodi là sous président Jovenel Moïse, dit pas de comme ça. Chaque administration, chaque gouvernement, chaque pouvoir vini, li vini avec l'autre problème pal, li gagne l'autre capable li traîner d'elle et c'est une des raisons à chaque gouvernement, chaque administration qui montait, nous toujours remarqué population toujours exiger l'État changer condition la vie, assumer responsabilité, gérer question insécurité, gérer question et gérer question nèg exam qui pas suspendre si maille la trouble en dedans pays. Eh bien qui ça passé? Puisque c'est bandits qui prend la rue, a kidnapper moun, a touyer moun, a faire affrontement pour contrôle de territoire, gène série de moun dans zone par yo terreté qui pas jamais à faire face avec phénomène insécurité, tant par exemple, l'on prend moun Route frère, l'on prend moun Laboule, l'on prend moun Fermathe, l'on prend moun Thomassin. Moun sa yon pas de jambes comme ça insécurité en yé. Yon pas de jambes comme ça et violence criminelle en yé. Yon pas de jambes comme ça ça qui relè gang rentre la ka ou pendant wap dormi, nèg exam débarquer la ka ou pendant wap dormi. Eh bien journée jodi, des séries de quartiers qui étaient paisibles, des séries de zones moun yon pas connaît qui ça crée l'insécurité parce que haïtien et yon toujours dou ça fait cabrit pas ça fait mouton, ça ka passer en bas. Li pa concerne moun en haut, eh bien jodi en dedans la coupe pays d'Haïti, pa gen moun en haut, pa gen moun en bas. Nous tout en prend frappe, nous tout en bas insécurité, nous tout en bas chantage bandit. Gen des séries de zones nan route frère là, nèg exam bandi pote enveloppe a grain cartouche la dedans, al frappe porte kay moun yo, bay moun yo. Soit payé, soit déguerpi, c'est sa situation. Eh bien, face avec assaut continu, face avec attaque gang, face avec les bandits qui terrorisent la population, eh bien, Minu Justice, il était publié en note, côté que, il fait chaque gang haïtien connaît que la défense est un droit sacré. Et puisque défendre tout, son droit sacré, on pas qu'à quitter un assaillant, ou pas qu'à quitter un gang, ou pas qu'à quitter un bandit, tout, yo, kounia. Gon bagay ministre te bliye dou ak ki so pral défendre tête tout. C'est vrai, ministre li rale différents articles dans code pénal, là rale article 272 jusqu'à article 274 code pénal qui mandait ou même l'homme moun rentre la caillou, l'homme moun rentre la caillou dans nuit, vin assassinant, le nèg la rentre la caillou avec zam, vin et attenter à vie ou pas contre qui intention, ou pas contre ça lui faire ou ka défendre nous. Eh bien, code pénal dit, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. C'est ça l'article 272 code pénal lundi. Alors, il dit pas ni crime, ni délit, l'autre ou yon moun, l'autre blessé yon moun, la loi bon autorisation pour faire. Mais on y a, on regarde aspect légal. Ok, légitime défense, son droit sacré. L'État et la justice pas reconnaître ou touye moun, ou son assassin, yo pas reconnaître ou fait crime, yo pas reconnaître ou fait délit, yo pas reconnaître ou fait coups et blessures volontaires ou involontaires, le bon groupe moun qui rentre la caillou dans nuit, le bon groupe moun qui rentre la caillou avec zam, vin attaquer ou ka défendre tout. Mais, en imaginons, yon ti moment, yon groupe nèg, je ça te fait semaine passée, week-end passé, et nan out frère nan zone académie police, nèg vite l'homme yo débarquer la caillou groupe moun, 4 machines, plusieurs nèg ak zam, gros zam, gen qui habillé avec uniforme la police, qui débarque la caillou avec gros zam, rentre vin kidnapper moun yo. Lò gen 4 machines garçon bien armé qui débarque la caillou. Mes amis, qui sont pral défendre dedou? Madame la ministre, qui sont pral défendre dedou? Même le ou ta gen on zam, est-ce qu'on a situation pour défendre dedou? Ça c'est yon. Kounye ya ou défendre tête. Admettons que nèg lan c'est deux nèg non machine qui rentre la caillou dans nuit d'une kidnapper ou touyer tous deux. Zam nan son zam sans papier, son zam qui illégal lié. Kounya la police débarque la caillou, li mando à qui soit défendre tête ou kounya l'a montré yo mais avec qui zam, avec un 9 mm ou bien avec un zam manche long. Kounya on ça qui ça pral dou? Yo pral dou ou faire détention zam illégal, yo pral dou ou faire hostel zam à feu. Qui ça pral dou véritablement? Parce que là, nous par contre, qui ça pour nous quoi? Oui, la défense est un droit sacré, ou doit défendre tout, ou doit protéger vie, ou doit protéger madame, ou petit tout, ou doit protéger caillou. Mais kounya, qui ça qui cache derrière notre ça véritablement? Est-ce que toutes les armes légales dans moment là? Est-ce que c'est porte ouverte pour nous gagner des armes illégales la caille nous? Est-ce que c'est porte ouverte pour nous acheter des armes illégales mettre la caille? Parce que le ministre n'est pas clair, madame la ministre n'est pas claire du tout dans notre lien. Donc je ne dis là, oui, il faut que nous défendions tête nous. Mais tout, faut qu'il n'y ait pas courir quitter responsabilité par yo pour yo prendre responsabilité yo gagnant pour yo bailler peuple là comme quoi oui nous gagne droit pour nous défendre tête nous et comme quoi nous gagne droit pour nous gagne zam la caille nous gagne droit pour nous gagne manchette nous gagne droit pour nous gagne ceci nous gagne droit pour nous gagne cela et puis l'on fin défendre tête nous même yo même encore puis devant pour dire ou gagne zam illégal ou nan groupe gang ou gagne association malfaiteur parce que en pile fois ça arrivé pendant y parler de légitime défense pendant y parler de la défense de droit sacré gagne moun qui gagne la caillou on bout de faire sans papier on zam illégal mais après la police débarquer est-ce que moun ça est-ce que la police est-ce que autorité a bien courage pour tendre pour admettre que zam li défendre tête là son zam illégal lié est-ce que pas marel tout pour aller avec lui et puis devant on va mettre un dossier sous dol parce que nèg en Haïti même l'autant de abdou défendre tête c'est comment pour défendre tête. C'est dans quelle situation pour défendre tête? C'est comme, c'est à qui ça va défendre tête? Parce que, yo même encore va venir avec tout argument ça, tout bagage ça sous tapis, pour yo mettre une grosse accusation comme quoi, une association malfaiteur ou bien on fait détention d'armes illégales. La caille. Ça, c'est extrêmement important. Et faut que nous parler sur ça avec des personnalités qui ont même été passées dans le ministère de la Justice, qui au moins, kaba nous plus de détails, plus d'informations vraiment, sous ça caché derrière notre ça que pouvoir public là que l'État mettait dehors parce que j'ai l'impression yo voulait prendre peuple là non coup pas comprendre yo voulait prendre nous et sous bluff yo voulait prendre nous sous maille pendant que y a dit nous défendre tête nous et puis yo même par en bas pour yo venir mettre quoi là non comme et gon bagay qui passait hier et dans l'école externe à la Providence dans avenue pour pleurer. Dans le jour qui se passe, nous avons appris que l'école Saint-Rose de Lima, mais la rue, a décidé de fermer les portes, pas de cours en présentiel encore. C'est en ligne l'école là, t'as continuer l'activité parce que négazam bandit après entrer dans l'école yo, kidnapper parents, kidnapper élèves. Nous dépensons initiative yo te prend son bagay qui était sérieux, son bagay qui était qu'à protéger élèves yo, son bagay qui était qu'à protéger parents yo. Mais pourtant, c'est pas grand sérieux t'as réglé véritablement. Pas grand sérieux t'as fait. Au contraire, c'est temps où tu as fait passer parce que kidnapping dans terre non mais insécurité parabay pression, ti moun yo stressé, ti moun yo peur donc yo t'es obligé di parent. OK petit moun yo la kayo. Eh bien qui ça crivé? Leur décider reprendre activité scolaire yo pour ti moun yo retourner l'école et puis pral gon incident qui passé dans l'école. Kounya ça pral vinn attirer attention des séries de parents, ça pral venir attirer attention des séries directeurs l'école qui yo même kounya pral prend véritablement décision pour yo pas fonctionner dans l'école. Et qui ça qui t'est arrivé avec Saint-Rose de Lima mais la. Attendez. Nèg exam pote lettre, yo pote enveloppe, yo pote grain balle dans l'école là. Côté que yo exige mais yo exige responsable l'école yo pour yo payer yo $5,000 américains chaque mois pour yo quitter l'école là fonctionner, sinon y a mettre du feu dans l'école là. Bagay ça commence à créer panique. Bagay ça commence à créer problème dans mitan parents yo, dans mitan élèves yo. Donc pas gon parent pral connait que l'école gon menace sous li et puis pour le dire pral voyer petite li. À moins que le pas besoin petite là, oui c'est vrai éducation, oui faut ti moun yo à l'école, faut ti moun yo recevoir pain quotidien, mais l'on vivre dans pays côté condition yo pas réunie, côté que autorité yo pas assumer responsabilité yo. Donc kounya ou même qui parent, ou même qui redi pour tes petites là, ou même papa qui redi faire sacrifice pour payer l'école, pour bailler petit ou payer éducation. Kounya a qui sentiment pral prend petit ou pour voyer dans l'école pendant que connait bandi a menacer l'école là. Et semaine qui se passe, je me partager avec une photo quand que ti moun yo dans salle de classe, ti moun yo dans salle d'examen, yo obligé mettre casse moto dans tête ti moun yo pour qui ça? Pour éviter bal marron. Pour éviter bal marron. Donc ouais ça crivé. Ou tendez ça crivé professeur l'école externe à la Providence. Professeur a fait cours, li camper, la fait cours, l'a enseigner ti moun yo. Et puis on green ball la prend dans coup pendant le camper devant tableau, pendant le camper devant classe, l'a enseigné. Bon, imaginons même le professeur a te casse dans tête li. Ben là il nan koul prend oui, à tous les koul t'a toujours mourir oui. Même le ti moun sa yo dans l'école Saint-Rose de Lima, yo gen casse dans tête yo. Si pas mal on green ball prend une dans coup, on green ball prend une dans thorax, on green ball prend l'autre côté. Qui ça arrivé? Li ka toujours perdu la ville. Journée jodi là, c'est pas après pansement mettre sous plaie à sous maligne non. C'est arrivé traiter maligne non, traiter problème non à la base. Nous pas qu'à chaque problème qui gagne à contourner. OK bandi mande nous cob, soit nous payer ou bien nous décider fermer l'école. Non. Tout pays qui a fonctionné, tout pays ouais États-Unis journée jodi là, nous rêver à aller aux États-Unis, à vivre au Canada, à vivre en France, à aller en Espagne, aller ceci, aller cela, mais bon dou, pays ça va fonctionner normalement parce que accès à l'éducation, l'État garantit. L'État garantit accès à l'éducation, c'est pas seulement leur l'école gratis, mais c'est leurs conditions réunies. Non seulement bénéficier l'école gratis, mais on a l'école en toute sécurité. Parents ont l'école en toute quiétude d'esprit. Journée aujourd'hui, parents mènent petits de l'école, ils pas même comme si quitter la caille là, la brigade arriver l'école là, si on pas kidnapper petite là. Li pas même connaît pas de ti moun dans l'école là. Si bandi pas débarquer, vinn kidnapper ti moun l'école là. Li pas connaît si pas gon lobé k'ap pété, si pas gars frottement k'ap fait, petite li a victime, petite li a prend green balle marron. Journée jodi en la parent k'ap voyer petite l'école pas qui est une d'esprit, pas la peine d'esprit, qui ça l'esprit maniga comme ministre éducation nationale qui ça le décider. Nous, ouais, ministre justice, ça le fait, j'ai cherché, j'ai rongé, li sorti en note, li dou ka défendre tête ou si bandi entre la ka ou vin attaquer ou ka faire légitime défense, son droit sacré, li ou ka défendre tête ou, mais qui ça, qui disposition qui prend dedans ministère de l'éducation nationale? Ti pa l'école a pauvri, mais journée jodi, ti pa l'école a fermé, qui ça sorti comme note? Qui ça reprend comme disposition? Qui ça reprend comme disposition? C'est nous qui victime, hein? Nèg sa yo même non seulement on a machine blender yo gen gros backup sécurité la kayo. Si yo te rete Thomassin yo te rete Laboule, yo pa dormi Laboule non parce que Timacatlan ka ba yo problème. M'bra vinn sous dossier Timacatlan tout à l'heure, la ba yo problème. Ou kon ça y a fait, yo pra aller dans chambre, yo pra aller dans hôtel, y a plou chambre hôtel, y a payer le frais de l'État. Deuxième résidence l'État te paye pour yo al toujours là oui. Mais qu'on y a l'État pral payer chambre hôtel pour yo parce que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dans moment là, depuis après, au fin assassiné président Jovenel Moïse en 20 mois. C'est ça, oui, cap clé on en deux pays. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ariel décide de mettre et on juge dans cour de cassation. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ariel décide, li vini dans tel pays là, Yo a fait corruption, y a gagoté l'argent. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Insécurité, yo pas qu'à faire carnaval national dans le pays. Chaque commune, chaque municipalité fait carnaval par yo. Port-au-Prince décide de la faire carnaval 11h du matin, 6h et de l'après-midi. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tout le monde a payé à quoi yo. Tout le monde a payé à quoi yo. Eh bien, je dis qui ça bandit yo déclaré nous. Bandit yo pas seulement déclaré nous la guerre. Comme pas de dirigeant, pas d'autorité, pas de nèg à colonne vertébrale qui ka camper pour défendre sécurité, pour défendre souveraineté pays, eh bien, blanc lui même tout la calbende. Journée jodi a nous pense c'est seul haïtien comme si pour Ariel l'or blanc venir dit problème haïtien solution haïtienne, mais problème haïtien c'est pas seulement haïtien créé. Problème dans ces deux parties créé. Ni haïtien, ni international là. Mais journée jodi en là, international là, pas qu'à camper tant qu'on pense Pilate. Yo croisé bras, yo ap gade, puis tout moun ap dou. Et dégagez nous, cherchez entente, cherchez consensus, cherchez accord nous, pour nous résoudre problème. Nous, problème, non, c'est pas seulement nous-mêmes qui créons. Et c'est ça pour nous commencer à jouer en dedans pour voir l'État qui a camper pour dire face à face. Problème nous là, c'est pas seulement nous créons. Insécurité nous là, c'est pas seulement nous créons. OK? International, les États-Unis, rapport sorti en des Nations Unies, près de 90% des armes qui a alimenté l'insécurité en Haïti, c'est blanc. C'est États-Unis sorti, armes sorti Colorado, armes sorti Montana, armes sorti tout côté, débarqué Floride et puis rentré en Haïti. Il a fait trafic d'armes, il a fait trafic munitions, il a pris cocaïne, Haïti en son pont lié, c'est là pour toute bagaille vient passer et puis aller dans destination finale yo. Zam ap sorti Jamaïque rentré et puis en dedans CARICOM obtenir Jamaïque boule Paris pour aider Haïti. Yo pas qu'à contrôler trafic drogue la kayo, yo pas qu'à contrôler trafic zam la kayo, mais journée jodi tout pays t'a supposé à mettre respect devant nous Haïti, c'est yo k'ap jouer dans bab nous. C'est yo k'ap penser avec nous pour qui ça parce que nous pas gen moun dans tête institution yo. Nous pas gen moun dans tête pays. Eh bien mes amis, gros mauvaise nouvelle. M'bral partager avec nous et mauvaise nouvelle ça li concerne et pasteur Jean-Robert même homme de Dieu l'entend qu'on dit malgré tout problème qui gagne dans pays dernier côté te kal prend refuge c'est dans l'église si bandi a terrorisé ou bandi a ou pas ka dormi la caillou à cause gang volé etc. sou pas gon brigade bon la caillou et dans veille de nuit où te qu'on aller longtemps c'est dans veille les bandi a terrorisé moun dans zone longtemps pas ka dormi la caillou pas ka dormi la nuit la caillou c'est on l'église cherche côté ka faire veille de nuit yo aller chaque soir dans veille de nuit pour yo ka goti tranquillité pour yo ka dormi journée jodi an dans l'église service a fait gros dimanche matin gros dimanche après-midi étude biblique a fait bandi débarqué nèg exam débarqué vinn prend pasteur vinn prend fidèle même l'église pas épargnée donc tout rapport société yo crasé à tes plate. Tout rapport social yo à tes plate qui dernier recours là. Eh bien mes amis et pasteur Jean-Robert bandi assassiné hier. Et hier ça hier jeudi, hier mercredi et 8 mars pendant journée internationale droit femme là son situation vraiment est paniquée, son situation qui te gen vive tension là dans le pays. C'est pas seulement dans Port-au-Prince et l'Tibonite chaud. Gonaïves te chaud, Saint-Marc même bagay lan, la police qui a frappé à bandi, la police qui a repoussé bandi et même le résultat pas un gros résultat attend nous pas arriver combler tant pour la police Tamare Izo, pour la police Tamare Ti la pli des séries de gros chefs gang vite l'homme qui a terrorisé population mais des bagay qui fait, gen ce quoi qui fait. Eh bien, information qui arrive joindre nous pasteur Jean-Robert, les victimes d'un assassinat en bas main et bandit Timacatlan yo dans Pelurin 2. Hier 8 mars, bandit assassiné. Mais quelques jours avant, il était un chauffeur li. Il était un chauffeur li pasteur Ali a dirigé on l'église à toute yon l'école dans la Boule 12. L'église en relais, l'église Mission Pentecôte Lumière de la Sainteté à tout un établissement scolaire dans la Boule 10. Eh bien quelques jours avant, il a assassiné pasteur Jean-Robert, bandit, tout le chauffeur pasteur devant l'église. Mais peut-être que pasteur a pas, soumis lui, ou bien bandit, ou pas directement, et fait pasteur en menace avant que il assassiné, et puis il a assassiné. Mais qui ça nous connaît? Dès pour ou une activité, ou un bagage à régler dans une zone qui gagne bandit, dans une zone côté bandit a ferraille, bandit a fait la loi, et de bagaille. Soit quitter zone nan pour bandit ou bien ou coopérer à bandit. Pas de blague non? Soit quitter zone nan pour bandi an, parce qu'on pas coopérer avec vagabond criminel ça ni de loin, ni de près, ni de très loin. Ou bien tout, ou choisir, ou payer. Parce que quand même, y a vin pote enveloppe ba ou, quand même, y a vin pote green bal ba ou, y a menacé ou à tous les coups. Donc, soit coopérer, soit ou allo quitter zone nan, et bien parce que lui-même peut-être, li pas prend bagaille au sérieux, et puis, nèg pa identifié, nèg exam débarqué. Yo assassiné pasteur Jean-Robert. Mais information qui arrive joindre nous, eh bien la police pas de printemps pour te stopper deux bandits dans Bas Ti Makaklan qui yo même ta gen pouwe avec assassinat pasteur Jean-Robert et situation ça li créé pile que content dans mitan moun Thomassin, dans mitan moun Laboule qui continue à demander PNH, qui continue à demander la police pour yo stopper et nèg Ti Makak yo pour yo démanteler gang nan, parce que moun Laboule vle retourner Laboule, moun Thomassin vle retourner Thomassin, moun Pelurin besoin retourner la caillou par rapport avec gang ça qui a opéré dans la Boule 12 nan fait ça qui pas suspendre terroriser et population. Mais ça qui est plus intéressant, notre travail que la police a mené, hier dans la Tibonite, et nèg ça vient, yo vraiment prend un gros coup. M'attendais, et yon audio, chef gang Luxon lui-même, li largué sur réseau, il a fait circuler. Dans le cas d'opération, la police a mené, toujours opération Tornade là, qui l'a, et hier, te gen affrontement qui t'a fait entre la police avec nèg Sarien ou nèg Bas Gangrif, Luxon a dirigé. Non premier temps bon vidéo partager avec moi, m'a regardé la police cap tirer sous bandi yo, Chablende cap vini, mais gen nèg en dedans Bazan même bandi dans la Tibonite qui a marché comme si pour entrer sous policier pour venir joindre policier pour faire carré parce que comme si nèg la pas prend balle comme si nèg la et en fait qu'on le fait. Ça son réalité, il y a ça. Aspect mystique là, aspect nèg qui pas prendre balle etc. Il y a véritablement, il y a même tout temps qu'on a regardé des vidéos ça yo. C'est pas vidéo truc à jouer. C'est pas vidéo trucage, kounya, c'est qui ça kounya? Yo pral policier ça yo qui pral là et qui pral là affrontement, qui pral démettre les gangs yo. Comment yo préparer tout parce que si nèg là li mette dans tête li pas percer, li pas ka prendre balle. Psychologiquement, li gen force pour battre avec policier. Même là, pile moun dit c'est mythe, etc. Mais le nèg la mette dans tête, il pas percer, il pas prendre dans balle, ça renforce force, oui. Ça renforce vigueur, l'énergie, il gagne pour le marché pour policier, oui. Donc, policier, lui-même, tout, il est obligé de chercher un bagage pour le quoi là-dedans. Bah, qu'on est dans qui sa policier après le quoi, est-ce que libéral dit tout, il pas percer, il pas prendre dans balle, etc. Mais on est obligé de chercher un bagage psychologiquement pour renforcer, oh. Psychologiquement qui pral booster ou le gain opération qui pral mener l'on a affrontement avec bandi en tout pour pas quitter bandi faire la dernière sou pour c'est ou même qui marche pour bandi. Eh bien hier bon citoyen bon génération pendant que tout laisser frapper ça nèg Bas Gangrif yo avec la police qui rive prend un fusil d'assaut yon gros arme manche longue qui baille la police amna. Bail la police amna sort dans les ala, Luxon fâché, Luxon boudé, li get a mette voice de yo, li get a menacé moun ti rivière, la menacé moun verrette, la menacé moun de chapelle. Soit moun ki nan zone côté zam nan perdu yo paye 3 fois la valeur zam nan pris zam nan ou bien tout zone nan fermé, zone nan net, on rien pas monter, on l'est pas descendre, on va pas monter, c'est lui qui prend contrôle zone là. Là SOS lancé par la police. SOS lancé par la police et c'est responsabilité autorité la police, la justice pour arriver freiner carrière gang nèg ça yo, freiner bandi ça yo parce que moun de chapelle, moun verrette, moun li en cour, yo besoin vivre. Moun yo besoin vivre, nous pas ka quitter un groupe bandi a terroriser moun yo. Gros ti zone qui relé doda déjà de moun yo pas arrêter la caillou même non. Moun yo barricade. Si moun n'a pas gen l'autre option que barricade l'autre dans caillou, c'est courir quitter zone non, oui, s'il capable. Pour qui ça peut-être gang, peut-être bandit, alors que virer tourner nous gon international, nous gon États-Unis, au Canada, on l'autre bord qui dit m'paré pour m'aider Haïti, m'a bail drone, m'a bail blindé, m'a bail équipement, m'a bail etc. Yo pas jamais cartéri mais non. Faut que nous prenions sécurité peuple haïtien au sérieux, m'pas quoi c'est là nous fin constater dégâts, le pays en fin rive dans pourriture net, les haïtiens mourir par dizaines, par centaines, par milliers, kounya nous pral wè nécessité pour nous aider PNH, pour nous aider leur médaille. L'autre dossier mes amis, ancien premier ministre Laurent Lamothe li parle. Qui ça le dit? Nous connaissons, depuis après pays Canada te fin prend sanction contre Lamothe est très fâché. Bakache dit non. Ancien premier ministre te fâché, l'estomaqué, li boudé, le fait connaître sous base tripotaille et sanction yo prend, pas gain enquête vraiment, pas gain rien sérieux Canada réglé. Li te décidé pour engager différents et avocats. Moun qui ka selon lui-même faire aider le faire lumière sur dossier, moun qui ka chercher information, collecter information pour connaître exactement qui ça pays Canada reprocher. Eh bien, avocat Laurent Lamothe t'a pral décider et intenter une action en justice contre le gouvernement canadien et sommer l'État canadien pour bail preuve complicité ou pour bail preuve que Laurent Lamothe participait dans financer gang, dans financer insécurité en dedans pays. Eh bien, dans le dernier jour, nous n'avons pas attendu rien sur le dossier. Et ça, nous te ouais, Laurent Lamothe a participé dans le funérailles et j'ai la tortue. Tonton Yuri la tortue aux États-Unis. Puisque c'est États-Unis, Laurent Lamothe a vivre. Canada sanctionné et Martelly, sanctionné Laurent Lamothe, sanctionné Seyon. Mais États-Unis, par exemple, ne prend aucune sanction contre Mounsayo lui-même, pas bon côté parle. Eh bien, nouvelle la tombée. Laurent Lamothe commence à crier victoire sous Canada, sous pays Canada. Pour qui raison? Bon, m'ba au détail. Eh bien, Laurent Lamothe, li publié une petite vidéo. M'ba ka partager vidéo avec vous parce que, vidéo, yo mettons vieux son sous vidéo. Yo mettons son sous vidéo, et qui pas permettre que me poster vidéo là. Qui ça bagaille là? Bon, me faire résumer. Eh bien, Laurent Lamothe, pour lui, c'est déjà une grande victoire. Puisque pays Canada, fournir ensemble d'informations sous base véritablement et sous qui dossier au sanctionné là. Et comme si pour Lamothe li joindre dossier qui t'a pas permettre que pays Canada sanctionné là. Attendez, Laurent Lamothe fait connaître que c'est sous base de articles que pays Canada sanctionné. Autorité canadienne yo t'a monté sur Google, yo t'a tapé non Laurent Lamothe. Et par la suite, yo t'a joindre deux articles. Chaque article ça yo une page qui parlait de lui-même. Mais pas parler de lui-même en bien non, yo parler de lui-même en mal. Et c'est sous base article ça yo, mais malheureusement Laurent Lamothe li pas mette li article yo dans vidéo a, li pas pin li article yo, non pas ka wè ki article véritablement parce que tellement gè article sur internet là qui parlait de mauvais bagaille qui ont paquet autorité actuelle et ancienne autorité fait en dedans pays et m'vin flou, m'confuse parce que moi même personnellement m'vin pas carré de qui article Laurent Lamothe a parlé tellement gars article qui dit vieux bagaille et de Laurent Lamothe et sous réseau. Elle dit c'est sous réseau jeune de article ça sur Google et puis on t'a qu'à sanctionner. Mais nous sérieux. Moi véritablement, on voulait que autorité yo haïtien pour ça yo ya. OK? Nous pas bête. Haïtien pas bête. Suspend prend haïtien pour bête. Véritablement, OK, ou dit que Canada bon preuve et Canada montre sous qui base de sanction c'est sous base de théorie que chaque on page yo même et c'est sous ça ou t'a pral prend sanction, t'a pral décider mettez nous dans liste moun ka financer gang et ou pas jamais dans gang, ou pas financer gang, zéro kidnapping, l'autre et premier ministre etc. Pas de problème, pas de problème. Mais écoute. Deux articles, chaque article en page. Ça, c'est opinion pays Canada, ça, c'est choix pays Canada. Et jusqu'à preuve du contraire, et je pense que ça fait plus sens. Si ça, pays Canada, te fourni comme document, comme preuve matérielle pour dire, mais qui article, là, ça, t'as partagé article là avec opinion publique, là. T'as partagé article là avec les peuples haïtiens, avec pays, tout le monde t'a pral connaît exactement qui article, là, t'as pris qui est-ce qui est qui article ça, et puis qu'on y a débatté qu'a fait sous lui. Mais là, nous rete nous en igvini en petit bout de vidéo, mais qui est sous base de article, page. Moi-même, l'autre appelle Laurent Lamothe, et ou mettez par exemple sur Google Laurent Lamothe, implication gang, etc. Tellement de articles qui écrit sous Laurent Lamothe, qui dit, on des séries de bagages comme quoi, ancien premier ministre, t'as non financé gang, t'as non bail gang, zam, etc., etc. C'est pas de articles. Tellement de articles, moi-même, moi, je flou parce que, c'est comme si, moun yo vle prendre nous tout pour égaré, yo vle prendre nous tout pour imbécile, yo vle jouer dans main nous, yo vle faire, et manipulation pour nous. C'est pas possible, c'est pas fait à tout le monde. Et c'est une des raisons que les Haïtiens prennent conscience. Prennent conscience de ce qu'on voit dans la société. Pas quitter nèg vinn utiliser nous leur besoin nous après jeter nous après manipuler nous après reprendre à faire masturbation intellectuelle. Non non non, ça pas possible. Ça pas possible encore. Peut-être longtemps était possible mais journée jodi an gen moun qui assume qui veut prendre responsabilité et paré pour assumer responsabilité. Pour caler le peuple là. Pour yo caler le peuple haïtien et motiver le peuple haïtien dans façon yo doit réagir tout bon. M'a regarder ancien premier ministre, ancien président et Joseph Privé, ancien président Sénat, ancien président Assemblée nationale, nèg pouvoir qui t'est allé dans métropole, il t'a participé dans l'émission Le Point. Ancien président presque crié. Pour qui ça? Parce que Canada t'est sanctionné. Le Canada sanctionné Privé depuis 2008. Maman Privé t'est mouri au Canada. Même on visa pays Canada, on visa visiteur, oui, yo pas même les bali pour l'assister à funérailles maman. Qui bagay qui pidu? Le ça, oui. Le ça, on croit Privé était toujours sénateur de la République, il vote quand même président 2008. Donc imaginez ou vin président, comment coopération t'es avec les pays Canada? Ou t'a prend l'autre ou bien t'es capé tête drette? Ou t'a prend l'autre nan men yo ou bien t'es affronté yo? Qui soit fait pour Haïti à ce moment-là, l'autre est venu président, l'autre est venu autorité, et ou t'es dans tête, et autorité suprême de l'État. Ça, c'est une. Mais, journée jodi là, est-ce que Canada va en lever matin pour le dire, il va sanctionner Yannick, sous qui base? Nex a sanctionné, yo reconnaît que yon a financé gang, yo reconnaît que yon a financé insécurité, yo gen relation avec bandits, yon a corruption, yo impliqué non paquet malversation de leur pays. Canada, États-Unis, la France, n'importe quel pays qui fait partie de corps groupe, yo pas qu'à lever un bon matin, ni décider, yo pral sanctionner un citoyen lambda comme ça, non? Sans que pas gagner véritablement des faits avérés, non? En tout cas, comment si le premier ministre Laurent Lamothe dit, l'apton pour Canada, avocat, batterie d'avocats que l'emploi et différents cabinets d'avocats que l'emploi et, yo a travaillé d'arrache-pied là, faut que Canada retire le sous-licence. N'apprend pas retirer sous licence. Yo retire sous licence, nous comptons pour. Yo pas retire sous licence, nous comptons pour. Nous comptons pour pire. À tous les coups nous comptons pour. Donc, seul ça nèg yo doit toujours songer. Canada, États-Unis, n'importe pays qui sanctionne, n'importe autorité en Haïti, yo te reproché yo comme quoi yo ta financé gang, yo gen pour ak bandi, yo ka toujours retirer yo. Mais peuple haïtien prend note pour nous. Peuple haïtien pas jamais retirer nous en bas sanction, non? Nous pas jamais sortir en bas sanction peuple haïtien non parce que nous fait payer en mal. Le nous t'es là comme autorité, le nous t'es là comme dirigeant. Qui ça nous t'es fait dans le système judiciaire pour te empêcher pays arriver côté là? Qui ça nous t'es fait pour la police pour empêcher le river côté là? Qui ça nous t'es fait pour haïtien pour nous empêcher jeunes arriver là? Des séries de nègres qui étaient en dedans et à ministère affaires sociales qui étaient en dedans que assistance sociale bon c'est à journée jodi elle tourner li tourner bastion corruption qui ça nous fait nous pas faire rien donc le nous aller tout pas attendre que population batte bravo pour nous pas attendre que haïtien et batte bravo pour nous et nous pral rentrer dans espace libre opinion invitez nous pour jodi c'est un haïtien qui dans diaspora avec nous pral parler sous implication diaspora, sous rôle diaspora ta doit jouer, nan rive chercher yon sortie de crise pour pays. Puisque nous-mêmes qui dans diaspora, nous victimes en pile en bas même dit. Nous victimes en pile en bas même gang. Redit travail, neige pas neige n'a travail, douleur pas douleur n'a travail parce que nous avons une vision. Soit parce que nous devons venir faire business en Haïti, soit parce que nous devons venir faire belle car en Haïti, nous devons venir prendre retraite nous en Haïti, mais yo pas ba nous opportunité a. Bandi en Haïti yo pas ba nous opportunité a. Quelle série de nèg dans l'état, malgré de toute bagaille, yo même encore yo contribuer dans voler car diaspora. Yo même encore yo contribuer dans craser initiative diaspora pour venir faire business en Haïti. Yo a fait taxer nous, yo a fait voler matériel nous bail nous t'apporter pour venir cautionner Haïti etc. Mais journée jodi en là c'est qui ça nous même comme haïtien qui vivent dans diaspora nous décider faire et bon l'autre aspect tout il y a un paquet haïtien compatriotes qui dans diaspora tout qui impliqué dans insécurité qui gagne dans le pays dans voyer zam bail bandi nan créer nan facilité bandi joine zam. Ça li extrêmement important. C'est pas nous toutes, pas la donne, mais gagne qui la donne. Mais de manière générale, haïtien qui nan diaspora, qui ça nous voulons faire, qui ça nous ka faire, qui décision n'a prendre journée jodi là, qui rôle nous pral jouer nan rive journée sortie de crise pour pays. Nous pral font parler avec monsieur Jean-Paul Polinis qui lui-même pensait qu'il gagne un mot pal pour le dire dans question insécurité. N'a fait contact avec monsieur Polinis pour nous parler, pour nous continuer par les pays, pour nous continuer faire débat sur situation et difficile que pays a fait face. Et bonjour monsieur Polinis, comment est bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Bonjour Yannick, bonjour édition éditorial. Et monsieur Polinis, aujourd'hui là nous allons parler sur question diaspora. Nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, c'est qui ça nous a dû faire et qui implication nous a dû gagner, qui ça nous a dû faire là pour nous aider à nous sortir de crise. Parce que nous-mêmes dans la diaspora, nous investissons en Haïti, nous faisons car en Haïti, nous achetons en Haïti, nous avons vécu en retraite en Haïti. Et là, nous avons constaté comment gang fin prend pays, comment bandits fin occupent pays, et là, nous avons attendu gagner autorité dans l'État qui a une relation avec gang, avec bandits dans le pays, qui sont dit tout. Est-ce que le possible, est-ce que la possible un jour pour diaspora retourner vivre en Haïti? Qui soit dit tout? Bon, dans ce cas, problème n'a pas dit ici aux États-Unis, nous considérons nous-mêmes diaspora comme prisonniers ici. Parce que les raisons fait comme prisonniers, parce que nous n'avons pas un pays actuellement. Nous avons rentré en Haïti, investi pour nous travailler, pour nous aider les peuples à avancer. Bien que moi-même, depuis des années, je commence à financer des programmes en Haïti pour du monde, pour grand monde, bâti clinique, bâti l'école, on sait des côtés qui sont humiliés par le gouvernement haïtien, qui ne va pas aller du tout. Et bien dans ce cas, moi-même, personnellement, pour nous faire un bagage qui est important pour le pays en tant que diaspora, c'est vous donner une opportunité pour nous rentrer en Haïti, mais nous ne sommes pas capables de rentrer en Haïti avec un gouvernement qui forme des grands. Nous avons pile possibilité ici, si on est capable de faire, pour nous rentrer en Haïti à le travail. Mais nous ne sommes pas capables de rentrer à travail pour enlever l'économie haïtienne. Mais regarder un pays qui est dirigé par gangsters, pour le gouvernement c'est lui-même qui a dirigé les gangsters. Regardons ce qui se passe là, c'est ça qui fait mal. On canava se passe là, on péta qui tire, ça veut dire qu'il y a un moyen de sécurité. Mais pour qui ça, après carnaval là, vous commencez à mourir? Pour qui ça, après carnaval là, vous avez mouru pire, l'école a fermé, pas d'éducation qui a bâché du tout, éducation à coquer, coller dans la boue, qui n'a pas fait ni avant, ni bac. Mais quand il y a nous-mêmes diaspora, ça nous voulons faire, nous voulons lever camper pour nous protester contre le gouvernement ça, malgré nous, une action probitoire qu'a fait en Haïti actuellement là, côté Mme Maliga fait nous-mêmes les diaspora, honte, la montée pour prendre pouvoir dans Bascoute. Et que nous parlons, c'est comme ça, parce qu'il y a des jeunes en Haïti qui étudient droit, qui font des capables pouvoir, des capables pouvoir. Tout pour ça, ces gens de Mounzaïo, ils choisissent pour bailler pouvoir, alors que les gens toujours, même dans la diaspora, qui sont capables de gérer la transition, qui sont capables de créer l'élection au pays. Mais pour qui raison ces gens de Mounzaïo au point? Il a critiqué les Américains, il a critiqué la France, critiqué tout pays étranger qui baise à pas pays qui baise à pays à qui factorise à ni faut le vendre c'est normal pour le vendre c'est nous-mêmes haïtiens qui acceptons les âmes de rentrer souterrain pour détruire nous c'est propre haïtien pareil nous qui détruit pays c'est pas les blancs c'est ça que je veux dire parce que si haïtien en relation stricte avec peuple là il te comprendre que peuple là sont peuple de protéger. Eh bien, il faut accepter pour les âmes de rentrer dans le pays. À cause des amis passés, c'est dans le port, c'est dans l'aéroport là, les amis passés. Dès qu'ils laissent le passer, et ça fait le passer. Parce que le gouvernement, c'est pas la tête que pour le poisson. Si Ariel pas un gangster, le pays n'a pas la chance d'étaler la cour actuellement là, et qui ça va demander qu'à au pays? Alors, qui ça va demander qu'à au pays actuellement là? C'est pour eux font bagaille, qui semble pour pas péter le monde, et pour le monde sorte, pour tout haïtien, le monde sorte. Nous ne pouvons pas qu'un vieux leader venir sous pouvoir. Et ça ne va pas faire un pays. Et que conseil des leaders qui voyagent un peu partout, quand Dieu par le contre, ils cherchent une stratégie pour Haïti. Non, et affaire à régler, pas faire un pays. Nous toujours arrêté côté nous dans la prison, nous pas qu'à prendre, nous pas qu'à faire avant pas quitter. Monsieur Polinis sou John bagay qui attire attention et qui est extrêmement important. Et là par exemple, le dernier rapport qui sorti dans Nations Unies, dans organe ONU DC côté que yo dou majorité des âmes qui sortent qui majorité des âmes qui nomme bandi en Haïti là sorti États-Unis. Oui, États-Unis et Jamaïque, ou pas quelques pays, yo gen zam, yo gen entreprise zam la kayo, yo van zam nan de manière légale. Mais comment comprendre le fait que gen haïtien qui nan diaspora qui impliqué dans trafic zam, qui impliqué dans acheter zam aux États-Unis, voye en Haïti. Alors que gen pile là-dedans yo encore qui prend prétexte, qui dit que, oh, yo, on voulait tourner la caille, on voulait stabiliser la caille, alors que, yo, même encore, y a voyé zam en Haïti. Qui message vous avez pour moun za yo? Bon, c'est vrai, ça c'est réalité qu'il y a, non, on connaît dans tout pays, il y a bon, il y a mauvais. Il y a un pile diaspora vraiment qui est impliqué dans le côté zam en Haïti, parce que moun sa yo pas ouais pour le pays, c'est moun sa qui paye des propres yeux, par exemple. Parce que là, on impliqué en tant que diaspora. Ou bien dans un pays où, et ou même, on va porter les âmes en Haïti, on connaît Haïti, pas aucun monde qui comprend que leur traverse ces âmes, non, qui ça, qui action va faire. Blanc va nous âmes, non, les vont nous, mais là, il va porter les âmes, il va pas capoter la cachette, les laboratoires ne va pas capoter la cachette, parce que les gens qui achètent les âmes, ils ont un papier dans le même qui dit déclarer que mes âmes les acheté. C'est peuple, c'est gouvernement haïtien, dans le port, qui ont bloqué les âmes, quel diaspora, qui pas diaspora, ont bloqué les âmes, ça leur rentre pour saisir. Mais pas aucun monde qui fait suivi avec ça. C'est vrai, diaspora, puis diaspora impliqué dans ça. On condamne ça moi-même. Parce que si on nous diaspora, on peut se payer bon, on peut se vivre dans le pays, on n'a pas aucune raison pour acheter les âmes, pour fournir les gangsters. On considère les diaspora qui fait ça, on considère bien avec les gangsters. Et non, pas gars sorti de là, parce que Haïti c'est pour nous. Si Haïti c'est pour nous, m'pas ouais, peut-être ou acheter un zam $400-500 aux États-Unis parce qu'on a possibilité pour venir vendre $10,000 en Haïti avec un groupe gang pour faire parce que là ou même tout comme haïtien peu importe soit vivre dehors au pays ou participer dans l'insécurité qui gagne là ou participer dans kidnapping qui gagne là. Parce que c'est Mounsayo qui facilite, qui baille moyen, mettez avec Mounsayo, qui est en deux dans l'État, qui a cassé faire couvrir ça, sous corruption, qui a cassé faire couvrir ça, sous trafic d'âme, qui a fait dans des deux pays, qui contribuait. Et, je ne dis là, ou t'es bien fait approche sur ça, nous gagnons au conseil de transition qui m'était copé, gagne madame Aniga là-dedans, gagne Pasteur et Calix Florido là-dedans, gagne Laurent Saint-Sir dans le secteur économique là. Qui la donne, yo censé ta mission pour mettre campé en CEP pour faire élection, pour arriver faire des débats, mettre campé différents groupes de travail sur sécurité. Est-ce qu'on pensait dans moment là élection possible dans le pays et surtout avec Ariel? Moi-même sincèrement, Yannick, pas possibilité élection. Si vous avez une possibilité d'élection, faites même bagaille que vous faites pour Calaval, c'est comme ça pour le faire. Mais c'est un bagaille qui a pris ici du tout. Et transition, il a fait actuellement là, c'est entre eux et qu'il a fait, excusez-moi. Parce que, si vous, à quel moment, à quelle façon qu'on peut faire l'élection actuellement là, il n'y a toujours pas de casse qui va le voter. C'est toujours un petit groupe qui va le voter. Nous, il veut nous mouvoir, nous n'en cafou, nous par contre, si vous nous montez, si vous nous descendez, quelque chose ça va essayer, nous là, si vous va essayer que la pied. Tout d'abord, un pays qui va un conseil électoral permanent, c'est créer ou va créer un conseil électoral. Sérieux, un pays, chaque temps vous fait élection, chaque laissage vous créez un conseil électoral. Pour qui ça Haïti par un conseil électoral permanent? Et pour qui ça tout en Haïti, le président nommé pour la mener campagne, vice-président pas capable ou bien vice-président ou premier ministre Jean-Obe là, pas faire campagne ensemble avec le président pour nous boycotter à faire la chambre députée et la chambre des sénats ratifier premier ministre. Ça c'est un bagage qui ouais pas jambon pour pays d'Haïti, bah ça il faut éliminer. Nous besoin un conseil électoral permanent pour nous faire élection et nous mettre sécurité. Dans un pays, il n'y a pas de sécurité, pas gagner qui a réglé. Même dans les maisons privées, si on coupe à vivre dans les maisons, tout est dans chirépite, pas gagner qui a réglé. Parce que pour mettre les têtes ensemble, pour nous arranger le système. Si le peuple haïtien va lever campé, nous faisons perdre 1986 actuellement là, pour lever campé, comme ministre de la Justice, là, nous avons gardé les nouvelles, il dit peuple là, le peuple là, va être de sécurité. Si on va comme ça, nous besoin faire, pour nous faire un lèvement, pour tout le peuple là, lever campé, pour tout le monde qui monte là, parce qu'il n'y a aucun monde qui monte là, qui va le faire extérieur. Ma profite fait tirer rappel ça et pour auditoire là et monsieur Polinis a tout bénéficié et de ça tout et constitution 87 amendé a li connaît li yo consacré depuis la constitution en fait yo reconnaître Haïti t'a supposé gagner un conseil électoral permanent mais pas jamais gagné même pas en fois conseil électoral permanent ça pour jamais mettre sous pied et qui ça la cause c'est discordance qui gagne problème politique qui gagne le pour faire choix différents membres qui t'a supposé et en dedans conseil électoral permanent tant des groupes moun ça dit ah si on choisit un tel si tel parti vini dans élection c'est un tel cap gagner c'est un tel cap gagner puis soit dans des là pas jamais ca mettre et conseil électoral permanent sous pied et à chaque président qui montait li vini avec un conseil électoral provisoire et chaque conseil électoral provisoire qui vini coup président final comme élection par jambe qu'arrive fait à temps l'autre groupe nèg qui monter dans transition qui ça fait yo craser et puis yo monter par yo ainsi de suite yo pas jamais penser avec le conseil électoral et permanent. L'autre aspect qui est important de faire approchant, c'est ça qui est pour avec président et premier ministre, le tag une campagne. Est-ce que le pas d'abord pour président fait campagne avec le premier ministre pour éviter la ratification ça devant le Parlement? Même Constitution 87 là, li connaît gon Parlement, li connaît gon chambre député, gon Sénat. Et Constitution, li reconnaît président le fin élu, président doit choisir premier ministre et premier ministre li doit passer devant parlement pour ratification. Kounya si nous pas avle question et parlement nous pas avle question ratification devant parlement, kounya c'est en dedans constitution nous là, c'est réforme constitutionnelle qui tout à fait et j'entends Jean président et Jovenel le nèg pour quoi assassiner là. J'ai t'a fait des marches pour une réforme constitutionnelle côté que t'a fait débat sur constitution. Yo t'a demandé population est-ce que vous voulez pour t'a toujours un Sénat république ou bien seulement chambre député. C'est là ça vraiment nous cavine avec l'autre changement côté que est-ce que a bien président, vice-président est-ce qu'on a changé et système présidentiel là tout ça. Mais pour qu'on y a monsieur Polinis nous pourquoi là et nèg yo a violé constitution de manière récurrente chaque fois c'est violation constitution et même Ariel là il fait violation Ariel peut-être pas li nan violation constitution donc pas besoin dire comment situation difficile pour haïtien qui a vivre dans pays par rapport avec principe qui pas respecté et ça c'est ton parenthèse idée connait moi connais monsieur Polinis ou c'est un officier religieux ou son officier religieux ou son homme d'église. Et qui, d'après ou même, qui ou l'église, ta doit jouer là, dans changement, qui ça l'église ta doit porter de positif dans changement pays? Parce que nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Qui ça l'église ta doit faire? Bon, Yannick, pour me dire vrai, l'église déjà bat une calotte déjà, parce que moi-même, je connais dans un panier orange qui a plusieurs là-dedans qui pourrit. Mais je toujours dit comme ça que plutôt retirer grain ça qui pourrait avoir pas compris l'autre. L'église de la fond bagarre là qui vraiment difficile comme Tim Dado sont violation de principe pendant que l'église, je découvre l'église a importé des armes dans le pays d'Haïti pour prêtre, frère que soit mon côté OTR religion qui était et que yo fait des bagages qui yo pas de faire. Pas qu'on décider l'argent mon ça qui te trouble yo. Mais l'église te doit camper dans ça neutre. Pour aider le pays à marcher, mais j'ai l'église pour qu'on y a là, pas de confiance encore. Il n'y a pas de confiance. Parce que, comme vous avez dit, ce n'est pas la tête que vous voulez. Parce que si l'église a vu que l'église participer, quand vous avez dans l'église, vous avez transporté des armes pour Haïti, pour Afrique. Comment voulez-vous pour prêcher l'évangile, les filles vont détruire? Souvent, je ne parle pas de l'église là, même du tout, parce que l'église presque pas de place actuellement là. Parce que nous ne pouvons pas faire confiance à ça toujours encore. Moi, malgré que je suis là, même si je me respecte, parce que nous sommes déjà allés au-delà à la violation de principe. Son gros déclaration fait là, son gros déclaration, ça veut dire, pour éclaircir, c'est comme si vous dites, l'église contribue à ce qui passe dans le pays là, c'est ça que je dois comprendre. Exactement. Exactement, parce que si on ne va pas prêcher pour dire que c'est dans la pauvreté pour m'aider, les quoi importe des armes, il faut confiance. L'homme ne fait mon confiance. Son paquet de bagages est lié parce que moi ici là, je suis à l'église qui m'a travaillé avec vous. Vous faites confiance, mais il faut respecter ça. Parce que c'est une violation de principe, là, bon bail pour diriger, les filles ont passé des couteaux gazelle. Et pour montrer les gens qui ont travaillé. Parce que quand il y a un bagarre, il faut roche caché, mais il ne faut pas lancer les pierres. Dans ce cas-là, parce que moi-même, je dis au monde, l'église voit les plus gros roches là, actuellement là, parce que ils ont piégé le pays, ils n'ont pas de droit de participer dans ce sens-là. Actuellement là, je dis l'église impliquée dans le gangster. C'est ça qui m'a dit, c'est ça que je dis là, l'église impliquée. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des officiers religieux qui ne sont pas contents, parce que la réalité, c'est qui s'allie. Le dernier scandale qui s'est fait là, qui impliquait l'église épiscopale d'Haïti, côté que il y a des représentants qui impliquaient dans faire continuer à rentrer pour bandits, dans vendre bandits armes. Mais l'on regarde des réalités, vraiment. Principe là, vle qui ça? Principe là, vle pour sauver vie, pour appeler les gens à la repentance. C'est pas nous même encore qui pouvons créer une situation côté que bandit en prage une possibilité pour le détruire, bandit avec zam qui n'en mêle là, c'est pas planter le planter, c'est détruire le détruire, c'est tuer le tuer, c'est violer le violer. Donc ou même comme homme d'église qui campe et qui assume responsabilité pour le dire ça, pour le mettre à nu, pour mettre tout union ensemble et de comportements malveillants, malversations qui a fait en dehors d'un système religieux, en dehors d'un cercle religieux, ça son gros bagay lié. Ça, son gros bagalier, m'apprécie ça. Parce que je dis, nous besoin de moun qui a dénoncé, nous besoin de moun qui a mette lumière sur ensemble de bagages qui a passé dans la communauté. Nous besoin de moun vraiment qui a aidé les gens qui n'ont fait noir. Comprendre que, véritablement, ça qui a passé dans le pays là, il méritait pour parler sur lui, il méritait pour faire débat sur lui. Et qui j'en même pensé, diaspora a regroupé là pour rentrer dans la bataille pays, pour arriver pour une solution avec le problème pays. Je parle de mon diaspora, et pas diaspora qui a porté des âmes, non. Vous honnête. Je comprends ça parce que, comme il a dit, nous pas besoin de gens de diaspora, parce qu'il y a des diasporas corrompues. Moi-même, je dis, si vous voulez faire un bail qui est important dans le pays, le premier bail que vous faites, c'est créer un conseil électoral permanent. Il y aurait passé même la constitution, pas pour quelle élection qui a fait pour nous si deux bagages à pas fait. Non. Il y aurait passé même la constitution, et puis former un conseil électoral permanent pour quel que soit le monde qui a monté. Même le chef de police aux États-Unis, il y a des élections fait pour lui. Il n'y a pas de qui a prêté comme ça. Non. Même un temps dans l'université, ici aux États-Unis, c'est élection fait. Même mon shérif, c'est élection fait. Pour que ça a été toujours nommé. Non. Non. Question basée directement sur diaspora. Qui ça nous même dans diaspora ta doué fait? Est-ce que nous pas supposé regrouper nous là pour nous créer pas connait si son mouvement pour nous créer une association pas connait n'importe ça d'ailleurs. Qui ça nous ta doué faire là pour nous rentrer dans bataille là? Nous voulons faire ça, nous les diaspora nous voulons regrouper, nous grouper d'une façon d'une autre. Mais nous voulons regrouper nous d'une façon propre parce que nous pas aucun nous sommes pas aucun droit pour nous voyager à Haïti. Parce que les plus de diaspora rentrent en Haïti, il faut qu'on plus de choses pour retourner. Ok, nous voulons recouper d'une façon ou d'une autre, mais qu'il faut qu'on entende qui fait entre le gouvernement haïtien aussi, et ça va nous pas plus jeunes. Et nous avons propos de tête noire, comme ça, et tant que pays à ces pays, nous devons quitter le pourri, pays à centrer la bande, les diaspora, vous voulez recouper, puis travailler avec le pays. Par exemple, nous toujours disons que si y a un conseil électoral, il faut qu'il y ait membres dans la diaspora qui vous sortent tout. Il faut qu'on membre qui vous sortent dans la diaspora. Si quelqu'un a un constituant qui a pas, il faut qu'on membre dans la diaspora qui peut aller comme constituant. Et que ça, c'est un bagage qui est important, mais au cas où, il voulait faire quoi, bien, il n'a jamais invité la diaspora pour le venir. Il va choisir une diaspora, et ça, il a choisi par eux, qui a fait bagage, par eux, qui ont pour des armes en Haïti. Il y a des diasporas qui ici, que nous ne pouvons pas utiliser. Et des diasporas qui impliquent dans le bagage qui passe à eux, nous ne pouvons pas collecter avec eux. Nous ne connectons pas, nous avons une association des diasporas ici, nous ne connectons pas avec les gens. Et nous sommes bien contents tous les diasporas font bagaille et nous sortis pour nous connaître, pour nous passer avec lui. Jean-Pil Moun Rémé dit que diaspora ne pas reconnaître force dans le pays. Pourquoi ça? Bon, nous reconnaissons, oui, que nous avons force, parce que nous devons force, parce que nous sommes petite terre. Même si on dit ça, nous ne pouvons pas prendre ça, parce que nous avons force, mais c'est seulement que nous n'avons pas une opportunité pour nous rentrer. Pour le travail avec le social. Nous n'avons pas de ça. Depuis en 2000, ma voyage entre en Haïti, on sait des côtés les pour entrer, moi c'est comme si Dadou, si diaspora pas entrer là, mon Dieu péri a péri. Oui, il y a plus de monde dans la diaspora vraiment qui fait des activités sociales, qui allent dans les zones reculées, au paquet de sections communales. Mais qu'on y a de point de vue politique, qui implication diaspora? Est-ce que aux États-Unis par exemple, ou même dans le comté où on vit là, est-ce que y a des regroupements? Est-ce que y a l'autre haïtien et pareil ou qui prend des initiatives pour dire qu'on va faire sitting et devant Maison Blanche, on va faire sitting devant le département d'État américain? Qui disposition nous qu'on prend ensemble? Est-ce que y a un groupe de travail ensemble nous fait pour nous garder dossier haïtien, pour nous étudier dossier haïtien? Est-ce que y a des experts avec nous qui a travaillé sur le dossier haïtien pour nous arriver à regarder qui ça nous a proposé pour aider à sortir de la crise qui est là? Moi-même, je dis ça, sincèrement, nous gagnons un groupe diaspora. Nous nous réunissons de temps en temps. Les bombes qui ont fait, nous connectons avec le Canada, la France, et nous faisons trois pays, ça, nous connectons ensemble, nous faisons un gros bagage. Et là, nous faisons dans le devant et l'ONU. À New York, nous faisons gros si nous jouons en pile de marches. Et tout ce qu'on a fait là, c'est chercher la lumière toujours parce que nous connaissons autant diaspora pour le prendre pied, gens de prendre pied en Haïti. Parce que diaspora qui place en Haïti, c'est seulement ils excluent les noms. Ils excluent nous parce qu'ils ne parlent pas de nous là. Même si on a parlé des diaspora, si le gouvernement a parlé des diaspora, nous ne parlons pas de nous. Si on devait nous voir pour faciliter à faire, puis d'inclure dans tout ça à faire, et tout ça à faire toujours pour le monde souterrain seulement. Yo pas faire appel avec diaspora. Mais Goti ba aime toujours dans des moun yo di oui et yo pas ba liberté, c'est prend yo prend liberté. Donc jodi an là, nous déjà connaît que l'état qui gen là sont l'état sanction, l'état corrompu lié, sont l'état gang lié, sont l'état qui gangsterisé lié. Yo pas jamais relé diaspora parce que haïtien qui quitte Haïti qui allent aux États-Unis, non seulement y aller pour le travail, y aller pour former tête surtout. En Haïti gen moun qui formé tout bien entendu. Mais qu'on y a qui ça qui vinn gagner? Des séries de monde qui dans l'institution l'État, des séries dans le ministère, ils ont poste, mais poste n'est pas pour yo lié. Ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en Haïti. Moun qui ministre, moun qui ministre justice, il t'a supposé peut-être non l'autre poste, non l'autre branche, moun qui ministre santé, t'es qu'à non l'autre branche, moun qui ministre et travaux publics, t'es qu'à non l'autre secteur d'activité en Haïti. Ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous comprenez, c'est pas haïtien, mais bagaïsant, il t'a qu'à régler. Là, ouais, on diaspora, on moun qui formé, on moun qui éduqué, on moun qui passe temps, qui a expérience. S'il t'a vu dans tes pays, ça t'est arrivé que ça aurait mieux gagné comme objectif, plan gagné, plan macabre, plan diabolique, gagné pour écraser pays, faire corruption, etc. Ça t'est arrivé que le pas réussi. Ça va leur dire pour autant que tout le monde qui est dans diaspora a une bonne volonté. Si on t'a mis tête l'État, puis on t'a changé ça dans la vie aujourd'hui là. Non, c'est pas ça me dit. Vous comprenez? Mais au contraire, le fait que on pas jamais diaspora possibilité pour mettre connaissance, mettre expertise au profit de la nation, au profit de la communauté haïtienne, là on déjà comprendre que nèg qui en Haïti ont fait preuve de mauvaise foi. Vous comprenez? Yo seulement ouais $1.50 là, voyez l'argent en Haïti, y a fait combien prend cob, vous comprenez? Mais rien encore pas ouais. Et monsieur Polinis, nous allons finir. Qui dernier mot gagné pour haïtien capteur dollar yo et surtout pour haïtien qui dans diaspora même j'avant qui t'a aimé intégrer dans vie politique pays yo qui t'a aimé ouais Haïti changer yo. Eh bien ça me capable dit toute diaspora yo t'a aimé dire qu'on sa priorité groupée quelles que soient les circonstances. Nous gagne boost stadium, nous gagne radio et nous gagne Jimmy comme a fait Bon TV, nous gagne d'autres et d'autres commencent à être très focus. Ils sont très focus, ils sont concentrés sur Haïti en pile et me demandent de me ferme là jusqu'à ce que nous arrivions à un terme. Parce que nous, tous qui là, nous gagnons un but, nous gagnons un plan vraiment bien déterminé. Parce que, quelles que soient les circonstances, nous, les diaspora, il faut nous impliquer dans le changement haïtien. Et nous ne pouvons pas prêter pour ça avec bras croisés, non? Mais pour nous, diaspora, on joue qu'on le dit à vous nous lever, pour nous faire un groupe, pour nous plaire en avion, pour nous entrer en Haïti. Puis on fait ça à faire ensemble avec nous parce que nous voulons aller retirer le pays dans tout le monde. Le pays c'est la voiture dans tout actuellement là. Si les diaspora fait des efforts, nous faisons plus d'efforts pour notre travail, pour notre pays à souper au jour. Et pas de problème, et Invitez-nous aujourd'hui dans l'espace libre opinion sur Haïtien conscient, Jean-Paul Polinis. Avec lui, nous t'avons un petit parler. Merci, monsieur Polinis, pour disponibilité. On espère bien prochaine occasion pour continuer partager discours avec auditoire, avec Haïtien conséquent, Haïtien conscient, qui croit dans le changement Haïti. Jusqu'avant nous aller à une seconde, Haïtien, Haïtien, je vais demander de nous soupler. Mais la justice a dit, nous c'est une bataille de sécurité, c'est dégager nous, filer manchette nous pour nous manger tout gang yo, qui vient attaquer nous. Puis nous étions avec nous, nous ne pouvons pas faire pour nous. Bourgeois déjà fait nous pour d'autres pas nous danger, nous sommes troublés. C'est la troublage qui est au bas nous, qui fait que nous venons dans la situation nous hier, nous fait nous connaître, Jovenel pas bon, et c'est-à-dire que c'est plus bon président qui nous a gagné. Nous perdons ça, et bien à la prochaine, nous avons l'autre président de nous gagner, pour ne pas quitter le monde, pour nous amener nous encore. Merci, M. Polinis, et très bonne fin d'après-midi. Merci, mon éditorial. Merci pour être gagné avec vous. Bye. Avec nous, c'était Jean-Paul Polinis. Nous sommes parler sur la situation haïtienne, sur l'implication haïtienne qui dans la diaspora, qui a supposé gagner, n'a changé problème, n'a changé crise, n'a vivre journée jeudi en de la République. Nous tendez, et grand timoun nouye, timoun li, grand moun comprenne, situation pays en son situation qui est difficile. C'est pas seulement blanc, c'est pas seulement étranger qui impliqué dans créer problème, dans créer insécurité. Il y a haïtiens qui dans diaspora qui contribuent largement. Il y a moun après les entre guillemets amis nous international qui contribuent largement. En tant qu'haïtien, c'est qui ça nous a fait. En tant qu'haïtien, c'est qui ça nous doit faire. En tant qu'haïtien, c'est qui ça nous voulait faire. Mais nous juste seul parler. Son droit nous gagner pour nous défendre tête non. La légitime défense. La défense, c'est un droit sacré. Mais avec qui ça n'a pas défendu tête, non? Est-ce que nous avons réellement substitué nous dans place l'État? Travail l'État, mission l'État, obligation l'État gagne pour mettre sécurité en dedans pays. Est-ce que journée jodi là, avec bout de zone, non? Pendant que nèg yo vinn avec gros fusil d'assaut, yo vinn avec gros armes manche longue, à qui ça nous va le défendre, non? À qui ça nous ka défendre, non? À qui ça nous doit défendre, non? Ministre, prête tout entendez? Moment arrivé pour Haïtien comprendre, moment arrivé pour Haïtien prendre conscience que son nécessité qui gagne pour l'État et bah nous sécurité, son nécessité qui gagne pour l'État résoudre problème insécurité hein? Et nous pensons que journée jodi là c'est pas chita croiser bras nous garder mais c'est porter c'est faire action pour nous arriver porter solution avec moment difficile impasse n'a vivre là et demain si Dieu veut dans émission demain m'a venir avec article yon haïtien conséquent écrit pour nous sous situation pays William Pape n'a parlé sur ça parce que c'est extrêmement important pour nous ouais qui niveau implication chaque acteur yo acteurs nationaux, acteurs internationaux, pour nous, ouais, jusqu'y bon impliqué, n'a crasé pays, n'a créé ça, nous gagnons comme insécurité, et puis en pile, non, yo a joué là, on joue hypocrite, croisé bras, yo, a gardé Haïti, cap mourir. Rendez-vous en casse demain, à même le ya. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis, on agit. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures de chez Chanel Parola pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, la même voix.